Hello everyone, I am Caduceus from DS in Paris. Today is the 10th birthday of the very first DS in Paris meeting. We are so happy that in 10 years, so many players enjoy multiplayer games with us, first on the DS, and now on the 3DS. We would like to invite all of you to our special meeting that will take place this Sunday or the afternoon in Paris, of course. This is a very special day for us, so we have a lot of surprises for you. So let our guest announce it directly to you. We are pretty sure you will enjoy this DS in Direct, so please take a look. Je suis Raymond, cofondateur de la DS in Paris. Lorsque nous avons créé ces rassemblements, c'était pour se retrouver et s'amuser avec des jeux multijoueurs comme Mario Kart, Bomberman, Tetris et Meteos. Depuis, les jeux ont changé mais nous aimons toujours nous retrouver pour jouer ensemble sur les meilleurs jeux de la 3DS. Alors venez avec vos titres préférés tels que Super Smash Bros, Pokémon, Animal Crossing ou Zelda. Venez profiter du multijoueur toute la journée, de 14h à 22h. J'espère vous voir dimanche. En attendant, happy gaming. Everyone, ouais, je le fais bien moi aussi. Sortez les lunettes de soleil et les 3DS, les 2DS, les New 3DS pour ceux qui ont les moyens. Dimanche, c'est les 10 ans de DS in Paris. Moi, je me souviens des toutes premières. Et ben là, on va pouvoir street passer, compléter ces puzzles et rencontrer des potes. Donc rendez-vous dimanche à 14h à Bercy. Faites chauffer les batteries avant pour que la petite lumière verte s'allume. Moi, je viendrai peut-être avec ma DS dédicacée par Miyamoto et Tezuka. Oui, je sais, c'est énervant. En tout cas, on sera là dimanche 14h pour les 10 ans de DS in Paris. See you. Bonjour à tous, je suis Gauthier, des organisateurs de DS in Reims et je souhaiterais vous inviter à la toute première DS in France. En effet, avec le temps, la DS in Paris a eu plein de petites sœurs, que ce soit Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Reims et j'en passe, le concept s'est développé partout. Et pour fêter les 10 ans de notre grande sœur, nous vous invitons au plus grand rassemblement de Street Pass jamais vu. Ce sera l'occasion de remplir vos derniers puzzles, de terminer Mis en Péril et de rencontrer des Mis Dorés. D'après mes sources, plus de 100 places pour la Japan Expo seront à gagner. Les 100 places, vous pourrez les utiliser du 7 au 10 juillet au Parc des Expositions de Paris-Nord-Villepinte. Alors nous espérons vous voir nombreux avec vos 3DS, vos jeux. Merci de votre attention et à bientôt! Bonjour, c'est Denis, fondateur de 3DS in Blois. Je suis là pour vous dire que si vous participez aux 10 ans de DS in Paris, il y aura une grande tombola gratuite avec de nombreux lots à gagner, notamment des Amiibo Yoshi. De plus, tous les enfants pourront repartir avec des cadeaux. Voilà, venez nombreux à dimanche pour les 10 ans de DS in Paris. Eh bien, merci pour toutes ces annonces. Nous serons heureux de vous retrouver dimanche. Permettez-moi néanmoins de continuer en français pour la suite. Je voudrais également donc vous annoncer qu'il y aura un espace dédié pour les amiibo. Ça veut dire que si vous n'avez pas certains amiibo, ils sont tous présents. Vous pourrez les essayer pour jouer à Super Smash Bros, à Mario vs Donkey Kong Amiibo Challenge. Tous ces jeux-là qui nécessitent des amiibo, ils seront là. Vous aurez juste à vous servir, les tester toute la journée. Mais c'est pas tout, il y aura également un espace pour les échanges de cartes, c'est-à-dire que si vous avez des cartes qui dit Carus, Animal Crossing ou Pokémon, amenez-les, il y aura de l'échange, il y aura des combats, il y aura encore aussi des cadeaux à gagner. Donc tout ça, échange de cartes et amiibo, ça vient s'ajouter à tout ce qui a été annoncé précédemment. Mais ce n'est pas tout, il y a encore quelques surprises, donc je vais laisser quelques amis vous les annoncer, en commençant par une grande star que vous reconnaîtrez tous. Mamma mia, DS in Paris, 10 ans, mamma mia, numéro 1. Arigato, Mr. Mario. Bonjour à tous, je m'appelle Opalco. Et maintenant, j'ai l'honneur de vous présenter le premier tournoi de ces 10 ans de la DS in Paris, Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha. Le règlement est disponible sur le site dsinparis.fr.
Sans plus attendre, je vais laisser mon collègue annoncer la suite de ce qui vous attend lors de ces 10 ans de la DS in Paris. Chetan, c'est à toi. Comment ça, Chetan? Je crois que ce crétin de Palquette m'a oublié, moi. Bonjour à vous, peuple inférieur. Je suis Richard Sekourail et suis ici pour vous parler des 10 ans de la DS in Paris. J'ai été payé cher pour le faire car cela ne m'intéresse absolument pas. Je m'aime tellement. Sur ce, je vais vous annoncer les tournois de dimanche à la DS in Paris. Il y aura du Super Smash Bros, évidemment, ils sont excellents. Mais également du Monster Hunter 4. Si vous êtes gentil, il y aura peut-être, je dis bien peut-être, des tournois rétro, comme Mario Kart DS ou Tetris. Mais bon, tous ces jeux c'est de la merde, vu que c'est pas moi qui les ai développés. Sur ce, je vous dis à dimanche pour une belle DS in Paris, et je serai sûrement présent pour une séance de dédicaces. Merci Mario. Bonjour, je suis le président de la Nintendo League. Je suis là pour vous annoncer que vous allez devoir venir à la DS in Paris spéciale 10 ans. Pour cela, vous allez pouvoir participer à de nombreux tournois et gagner de magnifiques cadeaux collectors et plein de goodies. Si vous n'êtes pas à la hauteur, ce n'est pas mon problème. Je prendrai les noms de ceux qui ne viendront pas et j'irai personnellement leur botter le cul. Mon corps est prêt et je vous attends. Bientôt les amis. Bonjour à tous les geekos, c'est Cartman. On dit souvent que les jeux vidéo ça rend violent et que c'est pour les cassos parce que ça les isole. Moi, pas à la DS in Paris. Là-bas, les gens, ils sont cool. Ils sont tellement cool qu'ils s'amusent tous ensemble. Et ça fait 10 ans que ça dure. Donc, pour fêter les 10 ans de la DS in Paris, prends ta plus belle 3DS et ramène ton gros cul au parc de Bercy le dimanche 3 juillet. Il y aura des cadeaux à gagner, dont des places pour la Japan Expo. Et si tu viens pas, eh ben je viendrai te latter les couilles à moi. Salut! Moi c'est Benoît, dit Benki ou Benkyo. Moi c'est Joseph, dit Joseph. Nous sommes DS in Parisien, et mais nous sommes aussi Negitachi. Et Negitachi c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? Negitachi c'est une chorale geek, otaku, gamer. Et c'est pour ça que pour les 10 ans de la DS in Paris, le 3 juillet, nous serons devant la cinémathèque au parc de Bercy. Très précisément, bravo mon Ben. Nous serons à cet endroit-là pour chanter à 20h. Plein de chansons que sûrement vous reconnaîtrez et pour vous rencontrer parce qu'on aime ça. Et surtout vous revoir parce que vous êtes très nombreux à nous suivre. Sur ce, on vous dit au revoir. Et à dimanche. Et à dimanche. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. C'est la fin de ce DS in Paris direct. On en profite maintenant pour faire un maximum de bisous à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin au DS in Paris. Je pense notamment aux trois créateurs des DS in Paris, Maya, Remouk et Netsabes. On vous fait de gros bisous directly to you. On fait également de gros bisous à tous les organisateurs de la DS in Paris, Luge, Marion, Doppel, Gaylor, Arnaud, toutes les personnes avec qui on a eu l'occasion de bosser, les gens de Nintendo, les gens de Capcom, les gens également qui nous ont accueillis. Je pense au Finnegan, à l'Iron Bell, le Quiglaze, notre spot principal, la Bracadabar où l'on fait toutes les DS in Paris musicales, l'Extra Life où on a fait pas mal de DS in Paris pirates, le dernier bar où on a fait la 300ème, le Meldon où on a fait beaucoup de tournois. On vous fait à tous de gros bisous, on vous remercie. On peut vous dire que les DS in Paris sont repartis encore au moins pour 10 ans. Comptez bien sur nous pour vous faire kiffer encore de longues années. Je crois que ça y est, tout est dit. On vous fait de gros bisous surtout. Notez bien la date, dimanche prochain. Nous serons le 3 juillet, ça sera au parc de Bercy. Ça sera la meilleure DS in Paris de votre life. Donc rendez-vous dimanche et surtout, n'oubliez pas, DS in...
Time for a special announcement. Open your eyes. Thanks to Nintendo, you players will be able for the first time to play the E3 demo version of The Legend of Zelda Breath of the Wild at the Japan Expo 2016. Stay tuned!